Chers élèves, voici la correction de l'exercice 52 de la page 52, puisque apparemment je l'ai oublié dans les vidéos d'avant. Alors, l'exercice 52, on nous dit, au marché, Axel a acheté 4 kg de cerises pour 29 euros. La semaine précédente, il avait payé 36 euros pour 5 kg de cerises. De combien le prix d'un kilogramme de cerises a-t-il augmenté? Pour ça, donc, j'ai commencé à écrire ce qu'on avait dans l'énoncé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 4 kg coûtent 29 euros et la semaine précédente, 5 kg coûtaient 36 euros. Ce qu'il faut qu'on calcule, c'est le prix d'un kilogramme maintenant. Donc, j'ai acheté pour 29 euros et j'ai acheté 4 kg. Donc, pour avoir le prix de 1 kg, je dois diviser 29 euros par 4. J'ai posé la division et donc j'ai trouvé 7,25. Ça veut dire que aujourd'hui, 1 kg de cerises coûte 7,25 €. Encore une fois, n'hésitez pas à faire pause pour corriger si vous vous êtes trompé. Ensuite, il faut que l'on calcule le prix d'un kilogramme avant. Donc, j'avais payé 36 euros pour 5 kg. Donc, pour trouver le prix de 1 kg, je pose encore une fois la division 36 divisé par 5. Je trouve 7,2. Donc, avant, 1 kg de cerises coûtait 7,20 € et maintenant 1 kg de cerises coûte 7,25 €. Pour trouver de combien ça a augmenté, soit on le fait de tête, soit on pose la soustraction. 7,25 moins 7,20, on trouve 0,05. Le prix a donc augmenté, ça c'est pas pour vous, pardon. Le prix a donc augmenté de 0,05 €, soit 5 centimes. Voilà.